No, Lux de la violanța se pare, nu se Lux, Lux de violanță. Ça c'est deux personnes qui sont appropriées de nom-là. Un dépôt, c'est pas nous. Étant une personne qui connaît bien Lux, je connais ce qui se trouve dans Lux. Dans Lux, tu peux avoir tout. Il y a des produits fruits partout, hein. Il y a des mauvais grains, il y a des bons grains. Des bons grains, mais même si je suis mauvais grain, vous ne pouvez pas le savoir. Je peux me trouver un petit mal. On avait prévu depuis, j'ai oublié les événements depuis au début, on avait l'assainissement et un don de sang, plus notre sacrifice pour les martyrs, accompagné de notre carnaval qui est aujourd'hui. Il y a des gars qui s'en est au plus. Au plus, ça veut dire quoi? Donner l'anniversaire, monsieur. Si je ne me trompe pas. Okay. Alors, la paix. Voilà, l'axe de la paix. On sait qu'on est, c'est qu'on veut que nos invités le fassent aujourd'hui. On souhaite que tout le monde sorte chez eux dans les bonnes conditions et qu'ils rentrent dans les bonnes conditions. Vous savez, dans l'axe, il y a la paix, il y a autre chose encore. Voilà. Quelque autre chose là, donc. Nous sommes sûrs, c'est que on se manifeste de foi. Dites-nous la vérité. On se manifeste. Il y a l'axe de la paix, il y a quel axe? Il n'y a pas autre axe sauf l'axe de la paix. Dans l'axe de la paix, on se manifeste, on revendique. Vous revendiquez quoi? Pour l'intérêt de la jeunesse. Quel intérêt? Toute la jeunesse. Quel intérêt? Ok, nous devons être dans les bonnes conditions. La jeunesse doit travailler, doit être employée une fois après les études. Ou bien quelqu'un qui a le métier, il doit avoir un bon travail pour parvenir à ses besoins. Est-ce que vous me suivez? Oui. Donc on se manifeste pour l'intérêt général de la nation guinéenne. Voilà. Mais il y a d'autres personnes qui nous approprient le nom l'axe de violence, ou bien ainsi, je ne sais même pas prononcer les mots. Moi je suis de l'axe, je suis bien dans l'axe et grandi dans l'axe. J'ai suivi mes études, j'ai étudié, je suis diplômé, j'ai fait mon métier, je suis technicien en groupe électrogène aussi. Donc je suis dans pas mal de formations. Il y a d'autres personnes. Il n'y a pas de commandant, parce que l'ex c'est un état d'esprit. Il n'y a pas de celui de l'idée, on a fait une. On veut plus de violence par là, quoi. Pas de violence sur l'ex maintenant. On veut que l'État voit ce mal là pour voir que nous ne sommes pas que des hommes révoltants, des hommes barbares, des hommes qui font des manifestations. On veut que l'État voit cette image là pour qu'il cherche que nous pouvons se réunir sans qu'il y ait de la violence, sans qu'il y ait des blessés ou des déchets de fleurs. Rien ne s'est passé. C'est une vague d'indépendance. La République de Guinée est un pays libre. Ça, c'est une vague d'indépendance. C'est une vague d'indépendance. Tu peux t'asseoir chez toi et faire la fête là-bas. Tu n'es pas obligé de venir à causer ici. Ouais, non, c'est une fête d'indépendance. Tout le monde est libre d'aller là où il veut. C'est pas une obligation d'aller au palais de Bruxelles. Mais on arrive toujours les politiciens là. Parce que je peux dire, le mal de ce pays là, ce sont ces politiciens là. Les politiciens là, ils veulent se créer à l'État. Quand on voit ce pays là à l'État, c'est à cause de mon cadre. Ce cadre là sont les cadres. Ce pays là sont les cadres malhonnêtes. C'est à cause de ce pays là. Donc on veut sensibiliser les gens, 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 les g